Bonsoir, je suis Bob Lennon, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en ce moment même, c'est l'heure du concours mensuel Instant Gaming. Oh mon dieu, ils ont changé le logo. Des jeux gratuits. Et y a pas que ça, y a toutes les dernières sorties. Ça m'excite tellement que je suis mal détouré. T'es sûr que ça va? Achète mes jeux gratuits. Ok, voilà mon argent, je clique sur le lien, vous faites pas de mal. Excellent choix. Instant Gaming propose des jeux sur toutes les plateformes et à prix réduit. Ça tombe bien, j'ai plus rien. Disponible aussi sur Twitter et sur Twitch. Tous les jeudis soirs à 21h, Le stream de la propreté. Y a pas à dire, c'est toujours aussi bien. Je fais aussi des streams n'importe quand, à n'importe quelle heure, donc n'hésitez pas à venir me voir galérer pour votre plaisir. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Suck Up. Ce soir, je vais sucer votre sang, voilà. Ce soir, nous suçons le sang dans Suck Up, qui veut dire en anglais aspirer, tout suck up, hein, aspirer vers le haut, enfin, comme ça. Mais un suck up, someone who's a suck up, c'est un lèche-cul. Donc voilà. Donc le but du jeu est de pompax, tout en léchant le cul, de nouvelles victimes qui ne soupçonnent absolument rien. Allons-y. Alors, un vampire cool, aussi cool que toi, devrait pas être un clodo dans une poubelle. Essayer de prendre le contrôle de la maison de quelqu'un est aussi facile que de leur donner une petite morsure. Mais, les lois des vampires et les règles bizarres des vampires stipulent que tu dois te faire inviter à l'intérieur d'abord. Tu ne peux pas pénétrer une maison dans laquelle tu n'as pas été invité. Habille-toi pour impressionner, mets-toi sur ton 31 et utilise ta langue d'argent et ta langue fourchue de serpent afin de planter tes crocs au plus profond des locaux après leur avoir parlé. Mais fais attention, la police surveille. Très bien. La fameuse police Antifa contrôlée par Eric Zemmour, let's go. Allons-y. Donc on vit dans un clodo. Alors dans Suck Up, c'est un mini-jeu qui est absolument fantastique. On joue un vampire. Un vampire, qui peut se transformer en chauve-souris adorable afin de fuir les agents de la maréchaussée. Hop, on met un hoodie, on met un petit chapeau. On met un sac à papier, on met... ça pourrait être pas mal, ça. Boop. Voilà, on s'habille en constructeur, et voyons voir. Le but du jeu, brave Jean, c'est un jeu qui reconnaît ton micro, et il faut... en anglais, malheureusement, mais... il reconnaît ton micro en anglais, et il faut trouver du bullshit pour bullshitter les gens et rentrer chez eux. C'est un jeu qui utilise l'IA et ChatGPT, allons-y. Tu peux aussi taper dans le texte en bas. Hey yo, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Yo, mon ouvrier de chantier. Tu veux qu'on danse et qu'on se la donne à fond ou bien? Vas-y bro, t'es trop bro. Ok. Qu'est-ce que je peux lui dire comme bullshit pour lui le convaincre de... Hello, you swaggy little guy. I'm coming here tonight because there's a gas leak in your house that could lead to an explosion. Not groovy. Voilà. Et comme tu vois, salut, espèce... Hello. Attends. La vache. Fuck. Bon. Au début, je voulais lui dire... Salut, espèce de mec avec du swag. Malheureusement, je viens t'informer qu'il y a une fuite de gaz chez toi et ça risque de ruiner ta musique et de causer une explosion. Mais c'est pas très groovy. Et il fait « Oh non, dude, c'est pas cool, dude, mais je peux pas te laisser rentrer, dude. Règle cette explosion. » Oh non, je recommence pas, mais écoute. T'entres pas, mec. Stay blessed, d'accord. Mais quel connard! Bon, tant pis. Si quelqu'un te reconnaît d'une conversation plus tôt, essaie d'utiliser une nouvelle tenue. On va essayer autre chose. Oh, par toutes mes bretelles, quelle surprise délicieuse! Entre, mon petit. Est-ce que tu veux une tasse de thé, des cookies frais de la maison? Good evening, madame. Yes, I would love to.
Can I come in and eat your delicious cookies? Oui, madame, j'aimerais beaucoup. Puis-je entrer et manger vos délicieux cookies? Ah bah... Oh, délicieux! Entre, mon chéri, entre! Je vais chercher le thé et les cookies. Attention au bordel, ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé. For free cookies, I will overlook anything. Thank you very much, kind madame. Pour des cookies gratos, je ferai gaffe à rien du tout. Tu es trop gentil, mon chéri. C'est un plaisir de te nourrir. Une dernière étage. Est-ce que tu as déjà rencontré ce gang d'écureuils? Ils ont causé un grand problème dans le voisinage récemment. Actually, that's the reason I'm here. I was setting up traps in the street to catch those damn squirrels. C'est pour ça que j'étais là. Ah, béni soyez-vous, vous faites le travail de Dieu, mon enfant. Eh ben, entrez et échangeons des histoires sur comment attraper des écureuils. Très bien, on entre. Mais en fait, j'étais un vampire. Un vampire en slip. C'était pas dans la recette. Je l'ai sucé. 100%. Et maintenant, je suis une vieille. Quoi ? Au moins un feu ? Et qu'est-ce qui se passe, mamie Maude ? Tu viens... Tu viens te la péter à propos de tes techniques de suplex ? Attends. Help me! There's a weird guy wearing a construction crew tunic. I need to hide. Can I hide in your house? He's after me. Attention, il y a un mec qui porte une tenue de construction bizarre. Have you gone? Attends, mamie Maud, c'est quoi le problème avec le construction crew tunic? Pourquoi il est après toi? I don't know, but I'm scared. He's already into my house. Can I get into yours? And use the phone to call the cops? Je ne sais pas, mais j'ai peur. Il est déjà dans ma maison. Oh merde, mamie Maude. Ça a l'air super suspect, mais je peux pas te laisser rentrer. Quel connard! Attention, la police! Bon. Nous devons trouver des stratégies. Je peux utiliser un mini-fridge. Attends. Lâche les vêtements. Mets ça. Tac. Voilà, petit frigo. White shirt. Des lunettes. Hop. Ok. Hey, qu'est-ce qui se passe, mon hipster cycliste? Qu'est-ce qui t'amène à ma maison à cette heure maudite? Alors, qu'est-ce qu'on peut? Hello, my man. I've got free drinks for you. I've heard some sick beats coming from your house. Can I come in and hear your music while you drink my drinks? Oh, pour de vrai? Des boissons gratuites, tu dis? C'est génial. Mais avant que je te laisse entrer, c'est quoi le goût avec c'est quoi le goût de ces boissons pour être sûr qu'ils s'alignent avec mon esthétique? Oh man, I've got everything. I've got soda, cola, a little beer, non-alcoholic, and nice party drinks. Je l'ai mal prononcé, mais c'est pas grave. Mais il l'a bien compris. Nice party drinks. Oh,
T'as toutes les boissons, mon gars. C'est génial. Vas-y, entre, mon gars. On va vibrer et on va boire. Ah ouais, on va boire. À table. Oh, je vais te ghoster, mec. Génial. On peut complètement tech son drip, mon gars. Let's go. Attention, la police. Ok. Ok, ok, ok. Ok, let's go. Allez, FBI, open up. Yo, 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 petit gamin, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto, mon gars, hein? Tu veux me faire des rimes de fou avec les bitcoins dans le QG du bitcoin? To the moon! Qu'est-ce que je peux dire? Je veux apprendre. Ah oui, j'avoue. Hello, crypto bro. I want to go to the moon with you. Can I come in and can you teach me some things about crypto? I want to learn in music, man. Voilà. Wow. Hey, ouais. Mon maître des rimes crypto est mort. Vas-y, entre et faisons des crypto beats pendant que je t'envoie des bombes de connaissances. Ouais. Tu la connais, celle-là? Drop the bass. Suck it, mon gars. Yeah, tiens, prends le TC! Prends le TC, prends du bitcoin! Uri! Puis. Oup! Oh oh! Oh oh! Oups! Puis! Voilà, attends. Tac! Voilà! Oh ouais, là! Smooth! Smooth! On est bien, là, on est bien. Un talkie-walkie. Parfait. Excellent. Ah! La police! Puis! Ok, puis, attends. Ok. Nickel. Voyons voir dans cette maison riche, là. Ça a l'air assez friqué, ici, hein. Voyons voir. Ils ont... de la bouffe. Ils ont des clubs de golf. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? T'as pas des meilleures choses à faire que de faire chier les gens à cette heure? Good evening, sir. I'm here at this ungodly hour to learn from the master of golfing. You. Finally, I meet you in person. Je suis là pour apprendre du maître du golf. Eh bien, tu veux apprendre un ou deux trucs à propos du golf? J'ai peut-être de la sagesse à te donner, mais ne t'attends pas à ce que ce soit si facile. Please, teach me all about golf, oh great master. But don't let me outside, don't leave me outside, there's quite a draft here. Oh, arrête de te plaindre, je vais t'apprendre. Mais il va falloir que tu ailles fort. Je vais pas te laisser rentrer parce que tu te sens un peu froid. I'm willing to go to any length to learn golfing from you. I will do anything that you request. I will endure all. C'est trop énervé!
Eh bien, t'es sérieux à propos d'apprendre le golf? Ok, je vais te donner une chance, mais souviens-toi, c'est pas pour les petites filles. Prépare-toi à travailler dur et à travers tout mon coaching de mauvaise humeur. Qu'est-ce que je pourrais dire? But just before we begin, I have one humble request from you, Master. I would like to see your legendary golf clubs. Je veux voir vos clubs de golf légendaires. J'imagine que je pourrais vous montrer mes clubs. Ils ont vu des meilleurs jours, mais j'ai encore du swing dedans. Suive-moi et ne touche à rien à moins que je te le dise. I promise. Thank you, oh great master of golfing. Très bien. Allez, je te fais confiance. Entre, hein, mais ne fous pas le bordel. Ace in the hole, Ace all. Ah, quand j'étais jeune, on avait des vrais vampires. Génial. Oh yeah. Il est mordu de golf. Mais oui. On a fait cette maison. Qu'est-ce que c'est ton problème? Si tu veux me vendre quelque chose, j'en veux pas. Alors, économise ton souffle et va voir ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Madame, I didn't come to sell you anything, but to give you my heart. You are the most beautiful creature I have ever seen. Je dis des trucs au pif. Madame, vous êtes trop belle. Vas-y, étrangle-moi avec une cuillère. J'ai pas le temps pour tes tentatives de drague pourries. Fuck. J'imagine qu'elle veut pas baiser son père. Allons-y. Bon, il faudrait équilibrer nos chances. Je pourrais avoir un smartphone. J'ai une assiette. Smartphone, c'est bien. Ah, c'est le râteau, hein. C'est le râteau de ma life, hein. Ouh la vache, ouais. J'ai un fusil. Attends. Ça, voilà. Ok. Là, ça, je me suis pas encore... Voilà. Alors, je suis habillé. Qu'est-ce que je peux bullshiter avec ça? Comment je peux bullshiter? Qu'est-ce que je peux dire? Prince Alien, représentant du PSG. Ah bah c'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur grosse tenue avec un flingue? Tu penses que t'es dur, hein, mais je te laisse pas pourrir ma nuit. Qu'est-ce que je pourrais dire? Madame, quick! You're in danger. I'm from the FBI. I'm undercover. There's snipers in the streets. Let me in and get down now! Il y a des snipers dans la rue.
FBI, hein? Ah ben, moi, je crois pas facilement les gens avec un flingue, mais bon... Alors, monsieur sous couverture, pourquoi vous me parlez pas un peu de ces snipers? Qu'est-ce que... Comment je peux... Alors, voyons voir. Attends, comment on peut bullshiter? My cover was blown. There are Russian spies. They're on the roofs. Please, let me in quickly and get under cover, quick! Oh, attends, des espions russes sur les toits? C'est intense! Ok, je te laisse rentrer, mais t'as intérêt à pas te foutre de ma gueule! Babouchka! Comment on dit Uri en russe? Uri! Ah, pourquoi ça m'arrive tout le temps? Ah, c'est toujours la faute des Russes. Ah, c'est un coton-tige. Bon, ça, c'est un flingue. Voilà, un smartphone. Voyons voir. Hey, salut nerd, qu'est-ce qui se passe? I'm sorry, I was at a party and I got out late and my phone has no batteries. Can I come in and quickly charge it? Thank you. Désolé mec, mais je peux pas te laisser rentrer. On a des rues, on a des règles ici et y a pas d'étrangers. Va trouver une prise ailleurs. Fuck. Un scanner à main. Ok. Hey, t'es pas de là, hein? Dis-moi ce que tu fais ici ou je vais te faire regretter. Ah, attends, viens voir. Hello, sir. Is this the entrance to the secret ultra mega secret club? If not, tell me. If so, I have the password. Ah bon, c'est vous, hein? Un club secret, hein? Ouais, garde tes secrets, mon gars. Mais si tu veux rentrer, il faut que tu prouves ta valeur. C'est quoi le mot de passe, wise guy? Enfin, c'est quoi le mot de passe, mon gars? The password is your hair looks awesome. Ah, tu m'as eu, mec. Mes cheveux sont plutôt cool aujourd'hui. Hey, t'as de la chance, je vais te laisser rentrer. Mais souviens-toi, lorsque t'es dedans, tu peux pas faire demi-tour. Prépare-toi à faire une virée de fou. Yes, let us start the secret meeting. Ok, tu rentres. Bienvenue à la rencontre secrète. Eh, hey, mais souviens-toi, ce qui se passe dans le club reste dans le club. Capiche? Règle numéro 1 du Sus Club. Ce qui se passe dans le Sus Club reste sucé dans le... Oh.
Oh yeah. Guess it worked, j'avoue. J'arrive pas à croire que ça ait marché. En vrai, on est imbloquable, mon gars. On est instockable. Attends, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure tenue que ça? Polo et Jax, non, ouais, quoi. Ça, c'est les cheveux, ça, c'est la tenue. Viens voir. Est-ce qu'on peut voir les maisons qu'on a déjà sucées? Ouais, là, ça, c'est ouvert. Ça, c'est fermé, ok. Mec, c'est quoi le buzz? Alors qu'est-ce qui se passe? Comment je puis-je t'aider dans cette nuit sainte? Hello neighbor, I was scanning the neighborhood with my radioactive scanner and I've picked up some weird readings from your house. Can I come in and quick check? Oh man, non, des signaux bizarres, ça fait flipper, mais je vais être honnête avec toi. Mon jardin, c'est un peu la merde, alors peut-être qu'on peut parler ici, non? Donc, quel genre de signes on parle, là? Radioactive readings. The kinds that dangerous for your health. I need to check just to be sure. If it's nothing, I'll leave you be. Oh mec, ça a l'air lourd, mais je pense pas que c'est nécessaire que tu rentres, mec. Je prends soin de mon jardin et y a rien qui fait de mal. Mais merci d'avoir vérifié. Ok. Oh, je peux sauter. Yuri, Yuri. Attends, il y a une tenue. Oh la vache, attends, il y a une tenue, il y a peut-être moyen de le bambouzle. Attends, mais il y a le flic qui est trop dangereux, là. Le flic est trop dangereux. Lanterne. La couronne de fleurs. La tenue. Le balai. Le flic est parti. Attends. Puis, il faut que... Voilà. Hey, qu'est-ce qui se passe dans ton jardin? Comment je peux t'aider avec ta main verte? Comment on dit un lutin? Sir, I am the green dwarf. I bring cleanliness and orderliness to every garden in the neighborhood for free. Je suis le nain vert. J'apporte la propreté et l'ordre dans tous les jardins. That's awesome, man. T'apportes les good vibes dans les jardins. Mais qu'est-ce qui t'amène dans mes bois aujourd'hui? I'm here to offer you, for free, a magic potion that would make your garden grow anything, and cleanly. Okay. Wow, man! Une potion magique, tu dis? Oh, c'est next level! Y a quoi dans cette potion? Des ingrédients secrets? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Des épices magiques, du sucre, des épices et tout un tas de bonnes choses. Comment ça se dit en anglais? Je peux pas dire la weed, mais... It's a trademark secret, but for you, I will tell you. Leprechaun tears, flower power, and a lot of good heart and good vibes. Oh, des larmes de leprechaun, le pouvoir des fleurs et des good vibes. Mais c'est une recette pour un super mojo de jardinage. Mais de quel genre de fleurs on parle ici? Putain.
The magic kind, sir. Sunflowers that brighten your day. Petal flowers that will make you more happy. Can I come in and show you my potion? Ah bon, je vous vois. Oh, des tournesols et des pétales de bonheur. Ça a l'air d'être un délire, mec. Je suis intrigué. Mais avant que je te laisse pénétrer, t'es sûr que cette petite potion va pas affecter mon projet à l'arrière? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Only in a good way, sir. It only attacks bad weeds. So it will clean your garden and make it more potent. Your secret project will be fine. Wow, man, ça a l'air d'être exactement ce dont j'ai besoin. Entre et montre-moi ce que cette potion magique peut faire pour mon jardin. Mais ok, hein, garde l'esprit ouvert à propos de mon projet secret. Et garde l'esprit ouvert à propos de mon apparence réelle. Regarde mon slip. Regarde mon slip. Regarde-le. Oh, man. Ce jeu est exceptionnel. Putain, il y a vraiment trop de flics dans la rue là. Oh, hello. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, frère otaku, comment je peux t'aider sur cette magnifique nuit étoilée, durant cette magnifique nuit étoilée? Ah putain, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire avec ce weeb? Good evening, sir. I love your cosplay. I am a tea seller. Would you be interested in oriental tea? Maybe Japanese tea? Oh, arigato gozaimasu pour le compliment. J'essaie toujours d'essayer de nouvelles choses, même quand ça vient du thé. Je serais très intéressé à essayer de l'authentique thé japonais, du matcha ou du sencha. Et vous, vous avez des recommandations pour un otaku amateur de thé? Putain, qu'est-ce que je peux lui dire? Merde, il parle de sencha et de matcha! Putain. Ok. Oh, absolutely! I would recommend the cherry matcha, sir. Real love tea blooming cherry tree from Japan. J'ai dit de la merde. Tsugoi, ça a l'air incroyable, senpai. Je peux pas résister à un truc, à un goût de cerise, surtout en forme matcha. Tu m'as conquis. Entre. As-tu déjà goûté du thé au sang? Je peux entendre ton cœur battre d'ici. Doki Doki, laisse-moi te prélever directement à la bite. À la bite, la bite. Tsugoi, j'ai même pas fini mon cosplay. Nice. FBI! Eh bien, qui est là? Si ça n'est pas un visiteur avec un nœud dans les cheveux et un t-shirt rose, qu'est-ce qui t'amène dans la maison de ce vieux grincheux? The spirit of Christmas! Are you Santa, kind sir? You look like Santa.
Can I come in and tell you how I've been a good girl all year? Ah bon, je vous Oh, eh bien, tu as l'esprit, je te dirai ça, mais avant que tu entres dans mon humble demeure, pourquoi me dis-tu pas à quel point tu as été gentille cette année? Le Père Noël a besoin de tout savoir, tu sais. Oh la vache! Putain. I've saved a kitten from a fire, and I've helped my grandma to cross the street. I've been a good girl. J'ai sauvé un chaton du feu, et j'ai aidé ma grand-mère à traverser la rue. Oh, béni soient tes cloches tintantes, c'est impressionnant. Sauver un chaton et aider ta grand-mère, tu as gagné réellement de l'esprit de Noël. Entre, et serre-toi. Joyeuse fête, fils de Grinch. Où sont les boules? Où sont les boules? Le sapin, laisse-moi sucer la canne. La bûche. Rudolph, sauve-toi. Quel génie. Oh, il y avait même un chapeau de un chapeau de Noël. FBI, open up. Oh, Gish, qu'est-ce que tu veux à cette heure? Tu as une mauvaise nouvelle pour moi? Tu peux pas avoir que je suis déprimé déjà? Ho, ho, ho! Your bad luck is over, sir! I'm the spirit of Christmas! I'm here to reward you! You've been a good man! Ok. Quoi, sérieusement? Tu te fous pas de moi, n'est-ce pas? Oh, j'aurais vraiment besoin de bonnes nouvelles, là, tout de suite. Alors, attends, tu dis-lui qu'il a gagné au loto. But sir, you are the good news. You already did some marvelous things and made lots of people happy. I've got your present right here. C'est toi la bonne nouvelle. J'imagine qu'il est grand temps qu'une bonne chose m'arrive. Merci pour les gentils mots et le cadeau, Père Noël. Tu sais comment renverser la chance de quelqu'un. Of course, my good lad, of course. Can I come in to give you your well-deserved present? You're such a kind boy. Bien sûr, mon cher enfant, bien sûr. Tu sais quoi, Père Noël? Tu m'as convaincu. Allez, entre. Répandons de l'amour de Noël. Je pourrais avoir bien besoin d'un peu de gentillesse ici. Au fait, j'allais te parler de ton compte en banque, mais finalement, c'est pour un retrait. Ah. Un retrait en liquide. Ah la vache. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas toquer à la porte d'un homme à 7 heures? Parle! J'ai pas toute la journée! Putain, lui, ça a l'air d'être un gros redneck. I'm sorry to bother you, sir. I've been so depressed, I've considered suicide. Can you tell me a good joke? Or give me a bit of spirit of Christmas? Désolé monsieur, j'ai été tellement déprimé que j'ai considéré le suicide. Est-ce que tu peux me dire une bonne blague ou me donner ça? Mais c'est très sérieux, le suicide c'est pas une blague. Et si je te racontais une bonne histoire, hein? Ça pourrait te remonter le moral un peu. If that work, I would be in your depth, sir. Thank you very much for your kindness. It lifts my heart already. Eh ben
Eh ben, si c'est pas quelque chose. Heureux de t'aider, gamin. Maintenant, viens et laisse-moi te raconter la fois où j'ai trait un... où j'ai trait un taureau. C'était la bite. That story seems incredible, sir. But can I come in? The draft is making me grumpy and it's a bit cold out there. Eh ben, j'imagine que je peux pas repousser un homme dans le besoin. Mais attention, hein, j'ai toujours l'œil sur toi. Entre et essuie-toi bien les bottes. I will. Thank you, sir. Ouais. T'es le bienvenu, fiston. Souviens-toi, je suis prêt à me battre en cas de problème, hein. Alors, comment tu t'appelles et qu'est-ce qui t'amène par ici? My name is George. I told you, I was depressed and I was roaming the streets. But then, I knocked on your door and you offered to help. Thank you again. Voilà. Voilà. Eh bien, George, pas besoin de me remercier. Je peux pas juste ignorer un homme dans le besoin. Si t'as besoin de quelqu'un à qui parler, tu sais où me trouver. Maintenant, laisse-moi te choper une bonne tasse de café. Ça va te réchauffer. Yes, thank you. A nice cup of coffee. I would love that. Let's get in then. Voilà, j'aimerais bien une bonne tasse de café. Eh ben, Georges, t'as dit les mots magiques. Entre. Fais pas attention au bordel, je vais te chercher un café. Oui, j'aimerais, plutôt que d'avoir du café, j'aimerais quelque chose avec un peu plus de corps. Garnement. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Il a poil! Eh, salut, ami aventurier, c'est Groovy, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh merde! Oh, c'est la maison du gigolo! Au secours! Qu'est-ce qu'on peut lui dire? I'm here for an adventure! I've got my beer hat and my backpack. I've got a tent. Can I come in so we can prepare to go on an adventure together? Wow, j'adore ton esprit d'aventure, mais là pour l'instant je me repose et je profite des vibes cosmiques. Parlons un petit peu, il faut qu'on se connaisse pour voir si nos vibes elles s'alignent, histoire de faire des aventures futures ensemble, tu vois. Of course, sir. Tonight, I've got a call from adventure itself. Destiny awaits. The stars are aligned. The sky is perfect. J'ai un appel de l'aventure elle-même. Le destin nous attend. Oh mec, l'appel de l'aventure, il est fort en toi. Les étoiles et le ciel parlent à ton esprit. Il faut qu'on vibe ensemble pour voir si on peut tous les deux s'élever dans le cosmos. Oh, our energies will align, sir. Born from camaraderie and friendship on the way, we will face all hardship and win in the end. Ok, n'importe quoi. Nous ferons face à toutes les difficultés, on gagnera à la fin. Bien sûr, mon ami. Tes mots remplissent mon esprit d'harmonie et de positivité. Tu es le bienvenu pour nous rejoindre dans cette aventure groovy.
Fallait XP, fils de pute! Le boss de fin, c'est Voldemort en slip! Mais qu'est-ce que je vois en dessous de petit canard? Un tuyau qui dépasse? Non, j'ai pas assez XP! Oh, groovy. Parfait! Nice! Il y en a qu'à 47 à côté de la porte, mais bien sûr, c'est le mien. Voyons voir. Non. C'est quoi ça? Ah, une baseball cap, ok. Et ça, c'est des lunettes de soleil. Ok, non, mais on va rester groovy. Ok, donc ça, j'ai eu tout le monde. Et là, il y a une maison de riche là-haut. Avec plein de flics, ça a l'air complexe. Allons-y. Sur le côté, des plats. Et là, un sac à dos rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à lui? Je sais pas ce que c'est ce gars à l'intérieur là. Il a l'air plutôt normal. Voyons voir. Allô? Mon ami festive, bienvenue sur ma chaîne. J'adore voir des gens avec tes lunettes comme toi et ta coiffure. Hey, tu viens à la fête, n'est-ce pas? Faisons une danse ensemble. Faisons du TikTok. Wouh! Putain. Oh, you're a YouTuber too? I've got 1,000 followers. Let's dance together on TikToks. Je sais pas. N'importe quoi. Hey, Festival Fashionista, c'est génial, t'as un millier de followers. Danser sur TikTok, ça a l'air incroyable. Je suis toujours prêt à danser. Montre-moi des moves, des killer moves. Tu vois, on va faire du contenu incroyable. That's wonderful! I will follow you on Instagram. Can I come in so we can rehearse some sick moves to show them? Mad dancing skills? Oh, je suis trop chauffé que tu vas me suivre sur Instagram, Festival Fashionista. J'apprécie le support. Mais j'aimerais beaucoup répéter des mouvements incroyables avec toi. Je peux pas t'inviter tout de suite, mais on peut se connecter et échanger des vidéos super cool dans le futur, n'est-ce pas? No, we need to dance and record something right now. First time reactions are the best. It makes the most views. Ah, je comprends ce que tu dis. Les premières réactions, ça peut être incroyable, mais je peux t'inviter tout de suite. Safety first, tu sais. Il faut qu'on fasse notre connexion d'abord. Okay, I'll follow you on Twitter, YouTube, and LinkedIn. Wow, super! Tu me suis partout, j'apprécie! C'est incroyable! Putain. Ah, le mec, il résiste, hein! Peut-être qu'on collaborera ensemble sur un projet énorme. Je suis impatient de voir ce que le futur nous donne. Merde, Actually, you seem like an experienced and really popular gaming YouTuber. Can I see your gaming setup or your recording setup? I'd love to see it. Putain. Oui, j'ai mis LinkedIn. Wow! Hey, t'as un bon oeil, t'as raison, je suis un YouTuber de gaming, j'adore montrer mon setup. Je peux pas t'inviter tout de suite. Mais je vais te montrer un tour virtuel de mon gaming sur ma chaîne. Ok, putain. La vache, il résiste! Qu'est-ce que je peux dire? Yes, I would love to.
Oh darn, I don't have any good connection. Can you share your Wi-Fi with me? I would need the code for it. Okay. Hein? Oh, je suis désolé, mais je peux pas partager mon Wi-Fi avec toi, c'est un truc de sécurité. Mais je vais faire cette vidéo gaming setup bientôt, tu vas rien rater, merci d'avoir compris. Putain, il est fort! Il est fort. Il est fort, il est fort. Il est fort, il est fort. Puis il est fort, il est fort, il est fort. Hey, est-ce qu'on essaye avec le bon vieux plan de la weed? Wow, wow. Bon vieux plan de la weed. Proposer d'apprendre la crypto, ouais. On va y voir. What's up, ma femme? Ça, c'est un plot twist. Comment je peux t'aider, mon énigme artistique? Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Hello, my good YouTuber. I am a medicinal merchant. I sell herbs and gaming powders and a lot of things to enhance your performance. N'importe quoi. Des gaming powders. C'est intéressant, je dois admettre, mais ça fait flipper ce genre de choses. Mais je suis toujours prêt à apprendre quelque chose de nouveau. C'est quoi ces gaming powders? Merde. Elles font quoi les poudres gaming? It gives you unlimited energy to record all kinds of content. It makes your hair shinier and your skin smoother. Voilà. J'apprécie l'offre, mais c'est trop beau pour être vrai. Merde! Je refuse la gaming powders! Fils de pute! Bon. Puis, il est solide! Un sac à dos technicien. Yeah, non, ça m'aidera pas. Ça m'aidera pas, ça m'aidera pas. Ça m'aidera pas, ça m'aidera pas. Costume, ça non plus, ça m'aidera pas. Est-ce que je peux tenter le coup de l'espion? Vous croyez que coup de l'espion, ça marche? Ah, enculé! Shit, j'ai besoin de quelque chose pour compléter ma panoplie. Ok. Père Noël, c'est toi? Je m'attendais pas à une visite armée du pôle Nord. Mais bienvenue sur la chaîne. Mais garde ce flingue pointé dans une direction safe. Jingle all the way. Oh putain. Ah, attends, qu'est-ce qu'on peut dire? YouTuber, I need your help. I was undercover at Santa's little workshop. The elves are on to me. I need to hide, quick!
J'ai besoin de ton aide, j'étais undercover dans la fabrique de Santa. Oh, ça a l'air intense, j'espère que t'arriveras à te cacher, mais je peux pas te laisser rentrer. Bonne chance. Connard! Ok. Ah bon, c'est vous, hein? Hey, mes lovely subscribers, on a un joli visiteur ce soir. Qu'est-ce qui t'amène, Santa Safety Inspector? Alors. Ho, ho, hurry up and tell me all about it. Alors, attends. Good evening, YouTuber. I am Santa Claus, and I've shaved my beard. Would you like to do a heavy-duty collab on YouTube with Santa Claus? Je vais faire une collab avec... Wow, Père Noël, c'est épique. Je serais honoré de faire une collab avec l'homme lui-même. C'est quoi le grand plan? Faisons de la magie YouTube ensemble. Ok, The plan is, you get on your recording setup, say hello to all your followers, and then I burst through the door and I give you your present live. Ok. Ok. Wow, ça a l'air incroyable, Père Noël. J'imagine l'excitation de mes abonnés quand t'arriveras à travers la porte. Faisons en sorte que ça arrive. Je suis impatient de recevoir mon cadeau en live et de partager ce moment magique avec tous mes followers. Then let's do it right now, my young lad. You've been very good and very kind. I've got a big present for you. Go and start the recording now. Santa, j'apprécie tes gentils mots, mais il faut que j'ai un planning très strict et des projets. Et il faut qu'on planifie ça pour le futur. Je veux pas rater les festivités, mais je veux pas non plus rusher. Est-ce que ça va? But my boy, tonight is Christmas night. It's the only night I can come out with my magical powers. Je comprends que ce soir c'est une nuit très spéciale, Père Noël, et je suis honoré que tu choisisses de visiter, mais il faut que je considère le commitment et la qualité que je donne à mes abonnés. Il faut qu'on planifie ça ailleurs. Il faut qu'on planifie ça à un autre moment, mais il est trop chiant! Alright, let's reschedule for next week then. But can I come in quickly and drop my present? It's really heavy. Ok, on reschedule pour la semaine prochaine, mais est-ce que je peux poser mon cadeau? C'est vraiment lourd. Merci de comprendre, Santa, j'apprécie ta flexibilité. T'as été tellement gentil, rentre vite et pose ton cadeau. Je vais faire en sorte que tout aille bien et qu'on prépare tout pour la collab de la semaine prochaine. On va collaborer. Ton sang, mon estomac, ma bite, ta bite. Et abonne-toi, clique sur la cloche. Got you, bitch. Ah, ça fait du bien. Ce jeu, il est assez exceptionnel. Suck Up, c'est quand même la qualité. Dans tous les cas, nous avons 13 victimes sur 31. On se la met bien, on se la met dur chez Mr Beast. Voilà, c'est ça qui est bon. Brave Jean, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Suck Up. Oh voilà, j'ai même un sac à dos. Je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, ce qu'il me faudrait, c'est un portable et que je fasse genre, je suis désastre et je fais des lives.
Voilà, des lives de nettoyage, ce serait fantastique. Mais en tous les cas, voilà. Je vous remercie infiniment, braves gens. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. C'est ça qui est bon. C'est tellement débile.